réaliste. Parce que je suis en train de me trouver dans des matchs contre des personnes qui étaient aux Jeux Olympiques, contre des personnes qui ont gagné des médailles aux Jeux Olympiques. Et je suis en train de jouer avec eux et de perdre avec, à une différence de 1 ou 2 points. Des fois, je suis en train de gagner. Par exemple, à Tokyo, aux qualifications, j'ai joué contre Chinese Taipei, le match des qualifications. J'ai perdu aux 30 dernières secondes. Je suis sûre que je pouvais la battre. Et ça, c'était après avoir gagné 4 matchs avant. Et la Chinese Taipei est allée à Tokyo et elle a eu la médaille de bronze. Donc moi, je trouve que je suis en train de jouer contre les personnes de haut niveau, contre des personnes qui ont des médailles olympiques et qui ont été aux Jeux olympiques. Je les ai déjà battues et je suis en train de, quand je perds contre eux, je perds avec une différence de 1 ou 2 points. Du coup, cet objectif est très réaliste. Surtout que maintenant, moi, Cole et Léon, on est qualifiés au Grand Prix. Il y a une des plus importantes compétitions au monde où les 32 premiers classés olympiques participent dedans. Donc je trouve pas que si quelqu'un il est arrivé au Grand Prix, je suis sûr qu'il peut arriver aux Jeux olympiques et amener une médaille.